Celui-là, oui, bah, je vous avais envoyé. C'est pas la peine de me gueuler dans les oreilles. Hein. C'est bon, hein. Vous envoyez un petit message. J'ai encore toute mon audition, hein. C'est bon, hein. L'autre, oui, elle m'a réveillé, elle a réveillé tout le monde. Il y avait trois vieux en haut, ils se sont réveillés. Ils étaient comme ça, ils étaient tranquilles, en train de pioncer, là, t'es arrivé, bim, t'as tout gâché. Comment ça va? Comment ça va, toi? Je sais. Et ouais, je sais. Non, je sais, j'en ai rien à foutre, tu balances. Alors, oula, j'en ai rien à foutre, tu balances. Il y a un dossier. Yes. Oui, il y a un dossier. On aime les dossiers. Sachez que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Oula. Et cette nouvelle, elle va vous retourner. Une déflagration. Arrête. Oulala. Sophie Coste. Oui. Une des plus jolies filles. Oh, merci. Que j'ai vues depuis. Hier. 24 hier. Heures. Sophie Coste. Qu'est-ce qui se passe? Le suspense monte. Ouais. Qu'est-ce qu'il va annoncer? C'est énorme, là. Donnez-moi un C. Donnez-moi un lit. Donnez-moi un bas. Donnez-moi un terre. Non. Sophie Coste est célibataire. Oh. Yeah! Bravo! Ça y est, ouais. Ça m'est tombé dessus comme un P sur une toile cirée. Ouais. Elle m'a dit, ça la dernière fois dans le couloir. Bah oui. Entre deux portes. Ouais. Et ça y est. Parce que vous me posez souvent la question, en fait. Bah, bien sûr, parce que tu m'as. J'ai eu la chance de voir. De suivre un peu. De suivre. Voilà, parce qu'elle me montrait souvent ses mecs. Les pérégrinations. Ah, oui. Elle me montrait, voilà, ouais, je suis avec lui. Bah, malheureusement, comme il a beaucoup vieilli, je n'avais pas remarqué que c'était toujours le même. Il vivait en Angleterre. Bah, qui n'y reste. Oui. Non, mais c'est. C'est l'Angleterre. Ah oui, ça y est. Ouais. Non, je jure, c'est vrai. Comme mort. J'ai éradiqué la punaise de lit. Non, je jure. Il y a eu trop près. C'est pas très bien. Il dit pas du mal de ses ex, c'est pas bien. Non, mais c'est un truc de. Elle fait ce qu'elle veut. C'est Sophie Coste. Je fais ce que je veux. Elle fait ce qu'elle veut. Ma chérie. T'es heureuse. C'est une nouvelle vie qui commence. Non, je sais, c'est vrai. Voilà. Ouais, non, mais oui. Tu peux nous dire à peu près ce que tu recherches et je vais essayer de voir ce que j'ai. Bah, là, pour l'instant, je recherche pas grand chose. Non. Là, il faudra un petit temps de pause quand même. Non, alors je vais te dire. C'est la très mauvaise décision. Comme quand on tombe à cheval. Vous pensez qu'il faut que je me remette en selle tout de suite? Ouais, en selle ou je sais pas où, en quoi, mais. Il faut que tu te remettes. Voilà. Ouais, que je me remette. Qu'est-ce que tu cherches? Bah écoutez, je compte sur vous et vos castings un petit peu. De temps en temps, c'est un peu farfelu quand même ce que vous me présentez, parce que vous m'en avez présenté quand même quelques-uns. Tranche d'âge. Elle, c'est de. Tranche d'âge. De 20 à 86. Non. Elle, c'est comme le pièce. Non, j'ai compris le truc. Non, il ne faut pas. Non, pas trop jeune, parce que trop jeune, ils sont trop carriéristes et puis un peu fougueux, un peu fou. Ouais. Donc, pas trop vieux non plus, quand même. Trop vieux, après, j'ai pas envie de pousser le fauteuil. Bien sûr, exactement. Donc, on va dire entre. Je pense que 50, 55, c'est bien. Même jusqu'à 60. J'ai bon. C'est pas mal. J'ai bon. Non, mais elle a dit pas plus de 60. Ouais. Et alors, j'ai quel âge? Bah, je vais aller voir sur Wikipédia. Vous ne me faites pas confiance. Non, malheureusement, non, je ne te fais pas confiance. Mais t'as plus de 60 ans? 62, non? Ouais, un truc non, comme ça. Non. Non. Non, mais je vais trouver. 59. Ouais, bah, trouvez, oui. 59. Jean-Michel. J'ai que ça à faire. Maire. Oui, j'ai que ça à faire. Jean-Michel Maire. Ah, t'es né à Nancy. Exact. Le 3 novembre. Oui. Alors, c'est bientôt ton anniversaire. Ah, c'est bien. Alors attends, je suis en train de faire le calcul parce que 1961, ça nous fait quoi ça? Non. 62 ans. Non, il a 61 ans encore. 62 quand même. Enfin, il a combien? Il a 61. Je le note, 61. OK. Noté. Tu peux pas rater le casting avant. Non, mais ça passe. On ne peut pas passe. Élargir le cercle du plateau, parce qu'à chaque fois, soit c'est Raymond, soit c'est Jean-Mi. Bah attends, respectez-moi. Élargir un petit peu. Bah, moi, j'ai des copains à présenter. Là, on fait la petite couronne, on peut faire la grande couronne. J'ai des copains à présenter, je rigole pas. Vous avez des idées déjà en tête? C'est quoi le profil? Profil. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Quoi? Oui. Alors, dites-moi. Sans rien, je pense à quelqu'un. Faites-moi rêver un peu. Un chariste. Franchement, non, je connais. Non, franchement, c'est vrai. J'ai un copain moi. Charismatique, ouais. Pas très grand, plutôt petit. Ah non, je. Ah bah non, ça, c'est un critère. Non, mais t'inquiète pas. Mais moi, je suis petit comment? C'est quoi? C'est petit. Comme là. Non. Le matin. Mais il est sympathique, un petit genre de fou. Est-ce qu'il est drôle? Je voudrais un mec drôle. Ah, un mec drôle. Alors, 3 points. Je peux pas. Est-ce que tu préfères? Parce que j'ai 3 types de mecs. Vas-y, dis-moi. J'ai
ou un mec beau gosse. Mais ou un mec riche, ou un mec drôle. Ah, ah. Vous êtes les trois, vous. Non, non, mais ouais, oh, calme-toi. Oh, c'était rapide. Putain, elle a dit drôle. Je suis pas drôle du tout, et je suis pas riche, et je suis mais celui qui, est riche, il est dégueulasse. Ouais. Ouais. Non. Alors, et celui qui est beau gosse, il est vraiment pas drôle. Ouais, ouais, vraiment. Ah, putain, par contre, je prends le drôle. Moi, c'est le petit gros, très beau gosse. Ah non. Non. Très drôle. Non, mais très drôle. Bah déjà, tu le vois, tu rigoles. Non, mais franchement, j'ai un petit mélange, quand même. J'ai du mal. Un petit mélange. Mais vous connaissez tout le monde. Non, mais j'ai peut-être un mec pour toi. Je rigole pas. Ah. Ouais. Ok. Mais grand un peu quand même. Ouais, ouais, non, ça va. Vous faites un peu peur avec. C'est quoi la taille? Normal, il fait pas 1m2. Ouais. Non, t'as 1m78, 79, 80. Et focalisé sur 86. Il est célibataire? Non. Alors, il est célibataire. Ah, en plus. Ah, ça c'est bien. Ah, bah oui, pas un homme marié, vous n'avez pas présenté un. Non, mais attends. Il a. Je crois qu'il a. Tu sais, peut-être un peu. Il y a des papiers à régler, mais c'est. Je sais pas si au niveau de l'âge ça va passer. Ah, il est trop âgé. Trop jeune ou trop vieux? Il est trop vieux, je pense. Il a quel âge? 91. Ah, 91. Mais il est hyper dark. Ouais. Et non, sans rigoler, c'est vrai. Et pas drôle. Il a une blague qu'il fait à chaque fois, moi, que j'adore. Ouais. C'est qu'il fait comme ça et il prend son dentier et il fait regarde, moi j'arrive à rigoler. Il fait Jeff Panaclock du dentier, c'est incroyable. À chaque fois, on se fend la gueule. Mais je te jure, il enlève ses dents, il fait regarde. Il fait pareil avec la jambe. Là, il est con, mais. Une prothèse et tout. Allez. Bon. Raymond, tu sors. Merci. Non, tu restes. Bon voilà. Non. Et toi, ce qu'il te faudrait, c'est un Hugo Manos. Ouais. Mais en version hétéro. Non, mais après, je pourrais te faire l'amour quand même. Je suis pas non plus. Quoi, c'est vrai. C'est possible. C'est vrai. C'est vrai. Mais bien sûr, mécaniquement. Quoi, attends. Bah, t'es pas non plus très fidèle. Mais attendez, on est tous des hommes. Enfin, prend le boulot. Vous savez très bien que on nous fait 2-3 caresses, c'est physiologique. L'érection peut arriver. Bah toi, va jamais dans un salon de massage, hein, frère. Ah, ça arrive. Moi, je suis sûr que je pourrais. Dès qu'il va chez le kiné. Hein, alors, mollo. Non, mais j'ai pas. C'est là que t'as mal. C'est là. J'en suis pas là. Tu vas chez l'ostéo. Lui, t'as dit, j'en suis pas là, comme si c'était. Non, mais attends. Tu kifferais, ma vieille, tu verrais. Alors, je suis pas là. Alors, voilà, je vais te dire. Mais sur une île déserte. Voilà. Ouais. T'es obligé de ken Hugo. Avec non, avec Jacques, avec quelqu'un ici. Jacques, Jean-Mi, un mec d'abord et après on fera les meufs. Eh oui. T'es obligé, sinon toute ta famille meurt dans d'atroces souffrances. Et ne mens pas. Dans d'atroces souffrances. T'es obligé de ken pendant une semaine avec un gars. Vous vous mettez dans l'eau ou pas? Non, arrête. Ne mens pas. Il n'est pas dans l'eau. Non, Sophie. Alors, pour, non, mais je sais. Parce que si t'es dans l'eau, on joue plus. Non, mais je suis en train de te donner les noms, là. C'est hyper important pour elle. Non, mais je sais. Jacques, je ne suis pas dans l'eau. Oui, il est tendu. Je te sens tendu. Je sais que je prendrai. Elle va m'y surprendre. Tout le temps le mettre dans l'eau. Non, je crois pas. Je pense que je prendrai Raymond. Attends. Oh. Non. Elle arrive tout doucement. Je peux dire juste un truc. C'est pourquoi. Ouais. Oublie pas qu'il y a Gilles quand même. Ah non, parce que. On a tendance à l'oublier, les gars. On est pas dans la merde. Ça m'avait échappé, ça m'avait échappé. Ah non, mais ça t'avait échappé. C'est vrai, ça m'avait échappé. Gilles est là. Il est jamais dans l'équation. Après mûre réflexion. Gilles. Non, mais parce que Gilles, ça en est connu, attention. Ah bon. Gilles sur une île déserte. C'est un truc avec son nez, non? Voilà. Mais oh, non, mais oh. Je sais pas, je demande. C'est jamais. Non, mais alors, oui, pourquoi Raymond? Ah, parce qu'elle a dit, ouais, parce que j'aime bien les hommes qui mettent les mains dans le cambouis, qui transpirent un peu comme ça. Quelque chose un petit peu. Ouais, un mécanisme. Nature est découverte, vous voyez un peu. Mais tu te fous de notre gueule, t'as dit âge, taille, drôle, argent, il a aucun. J'ai tout, moi. Je rentre dans aucun critère. Il y a quand même un problème, il a raison. Je mais là, c'est pas le même contexte, c'est l'île déserte, etc. C'est autre chose. Alors lui, bah, lui c'est quoi alors? Bah, lui, c'est l'île flottante. Non, mais attends, c'est quoi? Non, mais Jean-Mi, on. C'est la prison. Comment ça, Jean-Mi? Comment ça, Jean-Mi? Jean-Mi, j'ai jamais envisagé. Enfin, bah, voilà. C'est vrai. Oh, bah, moi, je choisirais Jean-Mi. Hein. C'est vrai? Ah ouais? Oh, bah oui. Attirez-vous. Bah, moi, parmi les mecs autour de la table, je choisirais Jean-Mi, bien sûr. Je crois que eh ouais, les gars. Sans toi, si t'es pas dans les coches. Mais même moi, je choisirais Jean-Mi. Mais même moi, je choisirais Jean-Mi.